Eh bien, bonsoir tout le monde les amis, c'est 38, comment allez-vous? Moi je suis super bien, on se retrouve comme je l'avais dit là où on s'était arrêté. Alors j'ai un gros problème de casque, je n'ai plus de son dans mon casque, je sais pas si vous vous entendez, logiquement vous vous entendez. Seulement je n'ai plus de son dans mon casque, du coup c'est un peu chiant. Attention, c'est peut-être revenu, attendez, excusez-moi. Voilà, là c'est revenu là. Problème de son dans mon casque, c'est parce que je vais devoir changer mon casque en fait et du coup je suis un peu... Je suis un peu dégoûté quoi. Hop, faut que je les aide. Donc comment allez-vous? Ben moi écoutez, je vais super bien aujourd'hui. On se retrouve pour la continuité du let's play sur Assassin's Creed Rogue. Donc voilà, on va essayer d'avancer un peu. Hop. Tu te fais défoncer. Ouais, ça apparente. Oula, waouh, faut que je me barre. Non. Oh non. Oh ce coup de traître. Oh ce coup de traître qui m'a été mis. Oh ce coup de traître. Je n'en reviens pas. Ce coup de traître. Bref, c'est pas grave, on continue. Donc comme j'ai dit, je m'excuse hein, pour l'épisode dernier qui était extrêmement court et donc peu enrichissant. C'est parce que j'ai un gros problème d'enregistrement. Non. Oh. Hop, toi tu meurs. Toi, tu vas mourir avant. Hop. Faut que je prenne ma... mon épée. Enfin, mon épée. Déchirer le drapeau français. Alors, attendez, j'y vais. Déchirer. Attendez, je veux juste ces deux-là. Ah. Devenez anonyme. Ah d'accord, en gros on doit tous les tuer quoi. Oh, il est mort. Hop là, déchiré, voilà, parfait. Ah ok. Ok. Synchro mémoire, d'armure et d'épée. Ok, d'accord. Bah écoutez, oui, si tu veux. Nos sous-sailles. Ok. Alors, on va reprendre le Morrigan. Le Morrigan, hein, hashtag lol. L'aile. 3000 mètres, du coup, la quête. Ok, d'accord. Ok, donc on fonce. On fonce. Donc en tout cas je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à suivre cette série parce qu'il y a un abonné particulièrement qui m'a demandé de continuer cette série et donc ça me fait extrêmement plaisir que ça vous intéresse. Donc clairement bah merci. Merci de me soutenir. N'hésitez toujours pas, hein, continuez avec vos commentaires constructifs, j'adore ça. Même si c'est négatif, hein, je m'en fous, mais au moins, enfin juste avoir au moins un commentaire constructif, histoire de savoir ce qu'il faudra améliorer. Normalement je vais bientôt changer de casque. J'ai un MX300. Le problème c'est que j'ai malencontreusement roulé. Attendez, je regarde juste où est la quête. La quête est où? La quête est là, d'accord, ok, la quête est là. Donc on va vite se TP. Hop là. Ok, donc on va se TP là. Donc ouais, j'ai roulé avec ma chaise de bureau sur le fil de mon casque. Du coup ça a dû déchirer un petit composant dans le fil. Du coup c'est ce qui fait que j'entends plus que l'écouteur gauche du casque. Sauf que là maintenant bah, j'ai des problèmes de son sur l'écouteur, enfin sur le son du casque. Du coup bah apparemment du coup j'avais plus de son. Alors je fais juste une petite ellipse histoire de voir si ça marche le son de micro. Ok, donc bonsoir à tous, tout fonctionnait, c'est très bien. Valait mieux que je m'en assure maintenant plutôt que de faire tout l'épisode et puis qu'après ça marche plus. Là j'aurais été bien deg. Là clairement je pense que j'aurais rage kit déco tout de suite là. What? Ouais, ouais vache, s'est écrasé contre le rocher. Vache. Donc bon. Allez, c'est parti. On va lancer la nouvelle quête. Cicatrice. Sauvegarde. Que s'est-il passé ?
Qu'est-ce que c'est gauwazé ? Nous arrivons trop tard. Non. Fort Frédéric est proche. Le colonel doit pouvoir le défendre. J'avais entendu le capitaine ! Tuner ! D'accord, ok. N'engagez pas le combat. Rejoignez Monroe, d'accord. Donc on fonce. On doit pas engager un combat, d'accord. Bon, à mon avis, je pense que ça va être loupé, hein, mais bon. En mon absence, veille sur lui, Guistre. À vos ordres, capitaine. Je ne vais engager aucun combat. Même si je devrais défendre les Britanniques, mais bon, je n'engage aucun combat. Hop. On va essayer d'avoir le champ, même si ça me paraît un peu compromis déjà. Oh non! Oh non, dommage, j'allais l'avoir, c'est pas grave. Ok, il reste combien? 140 mètres encore à atteindre sans devoir engager le combat. Ça devrait être plutôt simple. What, c'est quoi ça? Oh, trop génial ça. Ça c'est le début de la tyrolienne, hein. Assassin's Creed Syndicate. Alors, ok, donc là je dois protéger. Les démons Monroe ont nettoyé le fort, d'accord, ok. Oh, l'attaque! Pourquoi il est gros celui-là? Hop. Bonjour Monroe. Ah bah d'accord, bon, comme ça c'est réglé. C'est l'œuvre de Kessegowazé, n'est-ce pas? Je pense, mais je n'ai pas encore aperçu ce démon. Le manuscrit. Vous protégez-le. Portez-le à bord. C'est un ordre. Vous donnez des ordres? À votre supérieur? Je ne fais pas partie de votre armée. Je m'occuperai des défenses jusqu'à votre retour. Allez, go! On va aller le tuer. Non, mais genre! Oh, mais attends, mais d'où il y a eu une explosion, quoi? Putain. What? Ah, d'accord, bon, bah là, je vais mourir là. Non mais elle, sans déconner, attends, il y a le mec qui me met un coup de hache, je me fais tuer. Attendez, sans déconner. Ah, attendez, j'ai plus de son, pas que de son. Ah, c'est bon, c'est revenu. Faut vraiment que je change mon casque, faut vraiment déjà que j'en parle à mes parents parce que je vais me faire tuer, mais bon. Mais what? Mais regardez, j'appuie sur E, mais non, apparemment, ils s'en bat les steaks. Non mais regardez-moi ça. Il s'en fout, hein. J'appuie sur eux, mais. Oh non, rien à battre. Ok, bah t'inquiète pas. T'inquiète pas, je vais sortir mon flingue. T'inquiète pas que tu vas te faire défoncer. Tu vas rien comprendre. Rien comprendre du tout. Je vais le démonter. Donne un coup de flingue. Reviens là, sale rouquin.
Mais what, mais même en lui tirant dessus, il perd pas de la... il perd pas de vie. Faut que je me barre, faut que je me barre. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Sale traître. Shot. Ah bah d'accord, ok, bah je l'ai tué, d'accord, ok, j'ai tué comme ça. Ok. Nous t'avons bien formé. Non. Non. Ah, j'ai un bug de son. Il aurait dû en être autrement. Non, Shay. Tu es un ennemi. Achille finira pas de tuer. Achille n'agit pas pour le bien. Qui es-tu pour en juger? Les Templiers sont perdus. Et toi, avec Monroe est déjà mort. Qu'est-ce que tu dis? Liam. D'accord. Sauver. Sauver Monroe. Ah, go, on se magne. J'atteins mon bateau. On se magne. Le colonel est parti en direction des quais. Un colosse armé d'une hache pour chasser le colonel. Je me magne. Putain, du coup, on a tué Kasego Waze. Ah, dur. Putain, la pente, ça va être chiant, ça. Ah, good show. Bon, ça va vraiment être galère là. Sauver Monroe. Comment je fais? Quitter la maison en flamme. Putain, je perds masse vie par an. Il s'en bat les couilles, Shay. Ça, c'est un bonhomme, ça. Ça, c'est un bonhomme. Le manuscrit. Un assassin l'a pris. Liam. Je le récupérerai. Je le jure. Shay. Donc Monroe serait mort. Le problème du jeu, c'est que clairement ils ont pas réussi à faire autant d'émotions que dans Assassin's Creed 4. Hein. Enfin, clairement, ils appellent ça une petite cinématique de tristesse. Enfin, moi, clairement, ça me fait rien. Oui, d'accord, j'ai une petite pincée au cœur, mais bon, enfin, clairement, je sais pas non plus ce que ça me fait quoi. Enfin, clairement, je préférais plutôt dans Assassin's Creed 4, où genre quand il y avait la mort de Barbe Noire, c'était le meilleur ça, avec cette cinématique. Tu vois bien qu'il se fait défoncer, c'était le mieux ça. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas grave, on avance dans l'histoire. D'accord, même pas une petite cinématique comme ça, en fait, il meurt. Pardon, excusez-moi. Il meurt, il dit Shay, il récupère sa bague, et il s'en va. D'accord. Fin du jeu. D'accord, ok, très bien. Bon, c'est pas grave, on va faire une petite mission. On va avancer du moins. Ok, allez go. Cinématique. Non ! C'est Ethan ! Jures-tu de respecter les préceptes de notre ordre ? Et tout ce que nous défendons ? Je le jure. De ne jamais divulguer nos secrets, ni la véritable nature de nos actes. Je le jure. De nous rester fidèles quoi qu'il advienne, jusqu'à la mort. Je le jure. Tu es désormais... C'est Ethan, mon frère. C'est Ethan. Tu es désormais un Templier, l'émissaire d'un nouveau monde. C'est Ethan Kenway. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. C'est Ethan.
C'est Ethan Kenway. Oh, mais j'en reviens pas. C'est Ethan Kenway. Abusé. C'est Ethan Kenway. Oh là là. Du coup, je confirme que nous sommes bien avant Assassin's Creed 3 et non pas. Alors, c'est assez bizarre quand même. Attends. Je comprends pourquoi vous vous intéressez à Shay Cormac. Attendez, je me tais. Hein. Je vous expliquerai après. Shay a vu le vrai visage du monde. Et il a choisi son camp en conséquence. Vous aurez bientôt un choix similaire à faire. Je pensais pas que t'irais aussi loin, mais t'as l'air d'être sur la bonne voie. On peut toujours pas accéder au serveur du sous-sol, mais il y en a un autre en haut de l'immeuble, près du bureau de Mélanie. C'est là que tu dois aller. D'accord. Ben j'y vais. On m'a donné l'ordre de monter la garde ici. C'est chiant comme la mort, mais c'est comme ça. Ouais, donc je vous disais, donc en fait, on est pendant Assassin's Creed 3 et non pas du tout... Enfin, parce que, ouais, si vous voulez, on est après Assassin's Creed 4, mais pendant Assassin's Creed 3, en fait. C'est juste... Enfin, voilà, clairement, parce que Ethan... Bon, je vais risquer de vous spoiler, hein, mais bon, vous savez très bien, j'imagine que dans Assassin's Creed 3, Connor tue son propre père, donc Ethan, Ethan Kenway. Et donc là, vu qu'il est pas encore mort, ça veut dire qu'on serait après... Enfin, du moins, avant... avant la fin du jeu d'Assassin's Creed 3. Donc, nous sommes pendant la période d'Assassin's Creed 3. D'accord, ok. Ok, ok. Ok, ok. D'accord. Par contre, quelque chose me dit qu'ici, c'est le haut bureau. Ce bureau appartenait à un homme du nom d'Olivier Garneau. Avant que je sois en poste, il était directeur de la création chez Abstergo Entertainment. Otsoberg est un cadre de notre société mère, Abstergo Industries. Il te fera découvrir la véritable histoire du monde, comme il me l'a montré. Olivier était un type gentil, intelligent et passionné par notre travail. Mais il y a un an, il a été happé par toute cette histoire. Ils n'ont jamais retrouvé son camp. D'habitude, ce n'est pas comme ça qu'on briefe nos employés, mais tu as bien bossé et tu as fait tes preuves. Je t'accorde une autorisation de niveau 2. Les serveurs de cet étage devraient débloquer d'autres mémoires de Shay. D'accord, donc même pas un merci hein, ni rien. Apparemment, ils s'en bat les steaks. Je crois qu'il faut aller par là. Si j'ai bien compris. Pas mal hein, ici quand même. Attendez, parce que là, il y a des tableaux. Ah, c'est sympa. C'est sympa comme tout, c'est super bien fait en plus. Je trouve ça juste exceptionnel. C'est trop cool, c'est trop bien fait. Alors... Attends. Attends, je dois faire quoi là? Ah d'accord, ok. D'accord, donc j'ai réussi, j'ai fait tout au pif. Hein. Juste, je vous le dis, j'ai fait tout au pif. François Mackendall a sauvé Baptiste de l'esclavage pour l'initier à sa prétendue confrérie. Mackendall était un menteur cruel. Obnubilé par l'idée de libérer les esclaves, il enfreignit son credo en tuant les nobles sans distinction. Malgré la voie qu'ils suivent, certains assassins ont le sens de l'honneur. Pas Mackendall. En 1758, grâce au génie et à la ruse de Madeleine de Lille, les Templiers firent un exemple de Mackendall en l'exécutant publiquement. Ce qui lui donnait lieu de confrérie se délita rapidement. Quand son camarade et ami d'enfance Agathe s'enfuit en Louisiane,
Baptiste comprit la futilité de sa vie passée, celle qu'il menait parmi les assassins de Mackendal. Consciente du potentiel de Baptiste, Madeleine exhorta ses Templiers à lui proposer un marché. S'il parvenait à faire sortir Agathe de sa cachette pour l'éliminer, il serait admis dans l'ordre des Templiers. Même si Baptiste fut tué par l'assassin Aveline de Grandpré, sa vie démontre clairement la supériorité inhérente des idéaux Templiers face au terrorisme des assassins. D'accord. Ok. Ok. D'accord, ordinateur réparé 3 sur 20. Retournez à votre Animus. Ok, bon bah écoutez, on va retourner à mon Animus. Hein. Là, clairement. On va retourner à notre Animus. Ok, allez, on reprend l'ascenseur, on va redescendre, on va retourner à notre Animus, on va continuer l'histoire. Alors, recherche Jix, niveau... Hop, mais non, putain, c'est pas la réception que je dois aller, je suis un peu con. Bien joué, cobaye. J'ai chargé la suite des mémoires de Faye, c'est quand tu veux. Nous y sommes presque. Sachez que vous contribuez à une juste cause, même s'il se déroule... Donc là, ça parle, mais... Attendez, parce que du coup je me suis fail en fait. C'est quoi, c'est le niveau 2 du coup que je dois aller? Apparemment. Hop, ah bah oui, voilà. Bonjour mesdames. Pas trop le fou toi. Là on a le magnifique tableau de Black Flag hein. Encore Black Flag. Ah, je suis sur un fond dans Black Flag dis donc hein. Vache, référence hein. Rising Phoenix coming soon. Alors là du coup Rising Phoenix, ok d'accord, bon bah écoute tant mieux alors. Ok, bon allez, continue. Bordel. Qu'est-ce qui se passe? Encore un bug? Le même qu'avant, Shay est de retour à Notre-Dame. Essayez d'aller au bout de la mémoire, cette fois-ci. Ok. Shay est bien à Paris. J'ai même la date. 1776. Oh, ça va. À cette époque, Franklin était l'ambassadeur des Amériques en France. Mesdames et messieurs, Otzoberg, sieur professionnel et historien amateur. Benjamin Franklin. Je vais penser à quelqu'un dans Unity. Je sais pas pourquoi, mais il me fait penser à quelqu'un dans Unity. Oh non! Oh le mec, genre comment il s'est trop fail quoi! Non, par contre, je pense que. Faut trop les fous. Désolé si t'as fait un peu mal, hein, mais bon. J'y peux rien. Shay? C'est bien vous? Après toutes ces années! Ah! Oh. Où sont mes manières? Merci, mon ami, merci. Mais que faites-vous donc à Paris? Sauf votre respect, ce n'est pas le moment d'en parler. Vous êtes encore en danger. Oui, je... Je dois retrouver ma famille. Ok. Parce que là, je dois l'escorter.
Donc voilà, toi, je te tue. Non, 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 attends-moi, putain, mais qu'est-ce qui branle? Mais, putain, mais tombe. Putain. Ah, putain. Non, j'ai plus de son. Non. Attendez, excusez-moi, je m'échappe. Putain, j'ai plus de son. J'ai plus de son, Shamer. C'est bon, c'est revenu. Merci, Shay. Attendez-moi, voulez-vous? Je tiens juste à m'assurer que ma famille va bien. Avant la fin du temps imparti. Mais putain, mais... Oh, mais... Il y a deux temps, ce... Putain... Allez hop, toi tu meurs pour 1 minute 30 pour en tuer 4. Mais putain, mais. Oh, mais c'est quoi ce jeu? Non, mais c'est. Là, par contre, on m'a dit dans les commentaires que la caméra n'était pas pour autant buggée. Mais là, par contre, vraiment. Faut au clavier, c'est vraiment une horreur quoi, jouer à ce jeu. Attendez. Normalement, il doit y en avoir encore. Ouais, là-bas. Allez, saute. Il en reste un, Summer. Il en reste encore deux. Deux. Je pense que ça va être par là. Allez, monte. Allez, hop. 40 secondes encore. Toi, tu tombes. Et le dernier. 30 secondes pour en trouver un. Ça devrait aller. J'ai pas du tout. Ah, bah, il est là. Regardez. Il faisait le malin. Nettoyer les criminels, ah, voilà, c'est bon, parfait, ok. Comment avez-vous fait cela? Quelle chance de vous avoir croisé. Je crée ma propre chance, Master Franklin. Tout comme vous, je crois. Certes, certes, mon bon ami. Néanmoins, aujourd'hui, sans votre aide... Bon, vous avez toute ma gratitude. Puis-je faire quelque chose pour vous, en retour de votre bonté? Oui, vous le pouvez. Je dois rencontrer un partenaire commercial. J'ai appris qu'il se trouverait au château de Versailles dans deux jours. Il ne laisse pas n'importe qui entrer au palais royal. Fort bien. Je vais tâcher d'arranger cela. D'accord, ok. Ok. Allez, go, on s'active. On peut pas faire mieux pour l'instant. La simulation crache sans arrêt parce qu'on n'accède pas aux mémoires dans le bon ordre. Que proposez-vous? Si on parvient à explorer la vie de Shay dans les colonies, je suis certaine que ces mémoires de Paris deviendront plus stables. Très bien. Tenez-moi informé. J'upload la séquence mémorielle suivante. Ah, c'est nul. C'est nul qu'on sache pas quand même. Ethan Kenway, sale traître. Cormac, spécialiste de l'ordre en matière d'archéologie des précurseurs. Je ne suis pas un expert, monsieur. Mais j'ai vu quel mal les assassins pouvaient tirer de ces sites. J'ai étudié durant des années tout ce qui a trait aux précurseurs. Décris-moi ce que tu as vu. Eh bien, je sais que Templiers et Assassins recherchent les fragments d'Éden. Des armes puissantes, des pommes contrôlant l'esprit, mais cette fois, c'est autre chose. Je n'ai pas trouvé une pomme, mais... un arbre. Ces temples maintiennent la terre en place, comme des racines. Lorsqu'on les dérange, Haïti disparaît. Ou Lisbonne. Ou tout autre endroit indiqué sur le manuscrit. Et les assassins persistent à manipuler ces structures? Oui. Si nous ne les arrêtons pas, ils continueront à détruire des villes. Je vois. On nous a signalé des assassins aux abords de la forteresse de Louisbourg. Nous allons rencontrer un officier de la Royal Navy, James Cook. Il vient d'être nommé commandant, un poste qui pourrait nous être fort utile. Guy, t'as les cartes. Très bien. Je pars au plus vite.
Le colonel Monroe t'a toujours tressé des lauriers. Il était persuadé que tu deviendrais le meilleur d'entre nous. Alors, ne déçois pas. Je n'en ai pas l'intention, sir. Ethan Kenway. Le traître. Quel traître. Alors. Wow. Gist, sais-tu pourquoi le capitaine Cook intéresse autant le grand maître ? Son intelligence n'a d'égal que son ambition. Ses connaissances nautiques sont sans pareil. Et si j'en crois ma serveuse préférée d'Halifax, il vient d'être nommé capitaine d'un manoir. Il sait également... Bon, c'est chiant parce que là, il y a un bug, on n'entend pas du tout ce que tu parles. Les codes secrets, un expert, un homme de tant de talent ne peut que servir notre cause. Le genre de personne que l'Ordre accueille à bras ouverts. Ma foi, c'est un ami à moi. Il a la fâcheuse tendance d'être tout le temps honnête. L'hypocrisie lui est inconnue. Autant dire qu'il garde bien mal les secrets. Surtout avec son cerveau de mathématicien capable de venir à bout de n'importe quel code. Prête-le en allié, mais prends garde à ce que tu dis en sa compagnie. Je m'en souviendrai. On va laisser avec mon casque de la classe. Comprendre que Louisbourg serait une pièce centrale de la guerre. Regardez-moi ça. C'est trop bugué pendant la cinématique. Et avec elle, Québec et Montréal. L'histoire est en marche. Général Wolfe infligera une sévère correction à ce lac de Calme. J'attends ce jour avec impatience depuis la prise de Fort William Henry. Quand cette guerre sera terminée, on pourra enfin régner l'ordre sur ce continent. J'ignore si cette guerre suffira, mon ami. C'est vrai qu'il est classe quand même notre Morrigan. Hein. Là, clairement. Oh, j'ai failli pas le prendre. Le voici, le HMS Pembroke, navire du capitaine James Cook. Je démonte Izzy. Quelle merveille! Un manoir armé de pieds en cap. Nous devrions accoster. Master Kenway doit nous y attendre. Master Kenway? Non! Ah, bah oui, mais comme Master Kenway. Putain, j'ai cru Edward, hein. Mais non. J'ai un peu con. Ravi de vous revoir, capitaine. Capitaine Shay Cormac, capitaine James Cook. Heureux de faire votre connaissance. Moi de même, sir. Le capitaine Cook a eu vent d'un fort inquiétant stratagème qui ne fait que confirmer nos renseignements. Pour tout dire, en ce moment même, une flotte de la Royal Navy est en route pour Louisbourg. Mais les Français lui réservent une très déplaisante surprise. S'ils lancent leur attaque... Il est hors de question que nous les laissions faire. Messieurs, la bataille de Louisbourg risque d'être le tournant de la guerre. Un tournant qui décidera de son dénouement. Pour tout vous dire, messieurs, je suis fatigué de la guerre. Alors puis-je vous inviter à prendre la barre, capitaine Cormac ? Vous aurez sans nul doute grand plaisir à piloter un navire aussi puissant. Sans aucun doute, capitaine. Wow, that manoir. Là, clairement... Ouais, là... là, clairement, je pense que là, les ennemis vont moins faire le malin. Oh putain, non, je veux que ce soit moi qui le conduise. Pas qu'il le conduise, qui le manœuvre, qui prend la barre, que ce soit moi et moi seul. Ah parfait, c'est moi et moi seul. Suivez vos alliés britanniques. Je suis mes alliés britanniques. Wolfe, Lawrence et Whitmore dirigent les trois divisions de la Royal Navy. Qui est leur commandant? Le major général Amherst en personne, le retour d'Hanovre. T'intéresses donc à la guerre, chérie ? Je ne voudrais pas vous décevoir, monsieur. Je crois qu'il y a un bug sur la cinématique du mec, là.
sur la parole du mec là à droite, et le copilote, enfin le copilote entre guillemets, parce qu'on n'entend pas parler en fait. Du coup, c'est un peu chiant. Wow, j'étais canardé. La longue vue, non, tu crois? Merci, je sais. Aucun de ces navires ne doit passer. Un navire nous devons de les arrêter, capitaine. Un brick. Oh là ça! S'en fout, nous on traverse, nous on est des bonhommes. On est des vrais badass. On les démonte, nous. On est des bonhommes. Je suis un bonhomme, moi, je les défonce. Je suis un bonhomme, moi. Oh bah là. Clairement, là, on a tout fait. Là, deux mortiers, il n'y avait plus rien. Là, clairement, on a tout fait. À dévoiler, 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 à dévoiler. Bonté divine des brûlots, s'ils arrivent à passer, ils dévasteront notre flotte. Je ne laisserai pas une telle chose arriver. Je connais ce son, sœur. C'est l'expert au créné. Ah mince. Je suis confondu. Faut d'abord se débarrasser des brûlots. Hop là, voilà. Comme ça, c'est fait. D'autres brûlots, ah, d'accord. Nice. En plus, le mortier n'est pas très très loin. Nous sommes sur leur trajectoire. Il faut couler ce brûlot. Aïe. Je crois que Master Kenway a raison, capitaine. Les mortiers me paraissent tout indiqués. Mais non. Mais non, c'est moi le papa. C'est moi le papa ici. Et moi je suis Edward Kenway, moi je suis le père de Ethan. Normal, c'est moi qui lui ai tout appris. Deux, un. Deux. Ok. Nous sommes sur leur trajectoire. Il faut couler ce brûlot ou dégager le passage. Wow, ok. Bon, sévèrement touché là. Sévèrement touché. Couler la flotte française. Encore. C'est sans espoir. Peut-être serait-il plus sage de battre en retraite. Guerre et sagesse ne vont jamais de pair, capitaine. C'est pas fini, les gars. Armez les canons. Yeah. Encore des brûlots. Ça va être un peu chiant là par contre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre deux travioles. On va déjà essayer de couler les deux en même temps. Parfait. On s'occupe d'abord des brûlots. Quoi qu'il arrive. Bon là on va se faire démonter là sur reste là. Hop, encore. Encore un petit feu. Hop. Encore un petit coup. Et normalement sa dernière vague. Et voilà. Chargement du coup évidemment. Heureusement qu'on joue sur PC hein. MDR lol. Hashtag que je me fous de ta gueule. Bon j'espère juste que le chargement va pas durer non plus d'un million d'années.
Je crois que ça aurait bugué. Non, ça va pas bugger, c'est pas possible. Quand il veut, hein, juste, hein, quand il veut. Ah, attendez. Parce qu'en fait, si vous voulez, je peux faire échappe. Seulement le vieux chargement à la con là. C'est quoi, je vais faire une ellipse. Je relance le jeu. Heureux. En fait ça avait crash, du coup j'ai juste relancé la mission et puis du coup ça n'a plus crash. Donc voilà, c'est simplement un gros bug. Mais c'est bon. Voici la Royal Navy. Nous avons agi juste à temps, capitaine Cormac. La guerre tourne en notre faveur. Une vraie partie de plaisir. Ne nous réjouissons pas trop vite. Adewale rôde toujours. Nous aurons d'autres occasions, Master Kelway. Hey. Eh oui, Adewale. Eh oui. Tout compréhensible. Dr. Kenway semble déterminé à éliminer Adewale. Bah toi, c'est un puissant guerrier et un symbole d'espoir pour tous les assassins. En le tuant, nous leur porterions un coup terrible. Tu as raison, Auguste. Mais l'idée me déplaît. C'est un homme bon. Comme l'était Washington. Et Smith, j'aimais bien boire avec lui. Sans oublier Wardrop. L'alcool. D'ailleurs, Wix n'a jamais pu l'apprécier. Geist, si tu cherches à me donner des remords, tu as réussi. La guerre est tout autour de nous, Shay. Mais elle est aussi en nous. J'ai l'impression d'entendre mon oncle Gédidia, ce vieil ours grincheux. En parlant de mon oncle. Une autre fois, Geist. Yes. Ok. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Là on aura fait vraiment un épisode un petit peu plus long par rapport aux autres, étant donné que bah, faut avancer quand même dans le let's play. D'ailleurs je m'excuse encore pour la sortie des épisodes, c'est retardé hein. J'ai eu deux semaines d'AFK-itude, si je peux appeler ça comme ça. C'est juste avec les périodes de fin d'année tout ça. D'ailleurs j'ai plus de son au passage. Je le remets au cas où mon micro s'était pas activé, voilà. Donc bref, sur ce je vous dis à la prochaine. Je vous fais de gros bisous, je vous demanderai juste avant de partir de laisser un pouce j'aime et de laisser un commentaire constructif également, vous abonner si ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, bisous à tous, salut.